les presentamos a un reconocido científico e incomparable investigador cuya inquietud y avidez de conocimiento lo lleva a compatibilizar su desarrollo profesional entre París y Lisboa. Cofundador de Felix Charity en Leicester y director de la Fundación Anne de Gaulle, el doctor Louis Tullier nos hablará de los aspectos inmunológicos e inflamatorios de la enfermedad de Lyme crónica y enfermedades transmitidas por garrapatas, tratamientos adaptados y futuros desarrollos. Le damos la palabra al doctor Louis Tullier. Gracias, señor y colega. Me voy a hacer la charla en francés, mas si no sería en portuñol perfecto, mas no puede ser, porque yo trabajo en Lisbona tanto como en París. Entonces empezamos, voy a hacer en francés. Mas las preguntas puede contestar en español. Es el plan, voici le plan donc de la conférence. Je ne vais pas revenir sur certaines choses et plutôt aller directement sur les conséquences essentiellement neurologiques de ces infections chroniques. Nous avons beaucoup parlé ce matin des conséquences musculaires, squelettiques, de la fatigue. Donc je crois que si je peux apporter une valeur ajoutée, c'est sur celle-là, c'est sur quelque chose sur lequel je me consacre depuis quelques années. Et essayer de comprendre aussi, ça a été évoqué ce matin, pourquoi les infections deviennent chroniques, restent en état chronique. Plusieurs pistes ont été évoquées, on ne va pas les reprendre, et je vais vous proposer peut-être un autre angle, ou un angle supplémentaire, pour explication de ce phénomène de persistance et d'état chronique de la maladie. Et ensuite, ça a bien sûr des conséquences, que je vais dire, sur la mise en place du traitement et sur ce que moi je considère comme devant être le traitement. On n'a pas, il n'y a pas de traitement, j'allais dire, type. Chacun, il n'y a pas de référence de traitement. Mais il y a peut-être des réflexions qui permettent de dégager une préférence pour un type de traitement que pour un autre. La neurodégénérescence dans les infections chroniques est connue. Nous avons ici une liste de maladies, la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, l'autisme, et ce qu'on peut appeler la fatigue chronique avec ses manifestations neurologiques, où il y a plusieurs fois, et de manière documentée, des infections qui ont été incriminées de manière très sérieuse et très documentée. D'autres troubles psychiatriques liés aux infections ont été également bien documentés. Bon, très ancien, la syphilis. Les gens qui s'occupent de autisme ou d'enfants avec du spectre autistique, nous connaissons très bien ce qu'on appelle les PANDAS, pédiatriques, auto-immune, neurological disease associated with streptococcus. Chaque semaine, il y a à ma consultation deux ou trois cas de ces PANDAS. Je le dis alors que je ne fais pas que ça. Donc c'est extrêmement reconnu et on voit avec un test biologique qui montre une augmentation extrêmement forte des antistreptolysines O et des antistreptodornases, qu'il y a visiblement quelque chose qui s'est passé du côté des streptos, et l'histoire personnelle de ces petits patients montre bien que dans les premiers temps de la vie, ils ont été avec des infections otorino et respiratoires extrêmement fréquentes. Alors ça surprend personne. Mais quand même, si après il y a une histoire de la maladie, on peut essayer d'aller voir. La toxoplasmose était déjà également connue, et les travaux de nos collègues américains décrivent ce qu'on appelle la Bartonella rage, c'est-à-dire la rage bartolénienne, bartolénélienne, c'est-à-dire une espèce d'incapacité à contrôler ses humeurs et sa colère, avec des accès de furieux presque de colère. Quelle est l'explication? On l'a un peu évoqué ce matin, c'est-à-dire qu'effectivement, une infection, dès que je maîtrise cette technologie, voilà, une infection avec l'intermédiaire des interleukines et des réactions histaminiques importantes, fait une inflammation au niveau des astrocytes
et déclenche ensuite des effets neurotoxiques et, on le verra tout à l'heure, un petit problème, un grand problème de dérégulation neuroendocrinienne. On le voit de manière un peu plus compliquée, mais pas beaucoup plus compliquée. Si on regarde un peu comment ça se passe, pareil, on a l'infection qui est là, Borrelia, mycoplasme, des allergies, production de cytokines, stress oxydatif, atteinte également, je ne vois pas très bien sur le côté, mais enfin, atteinte des mastocytes, des mastocytes ici, et pareil, une inflammation des structures hautes du cerveau, mais on pourrait parler également de neuropathie périphérique, et avec cette dégénérescence neurologique et ces désordres neuroendocriniens que l'on va voir maintenant de manière un peu plus précise. Une autre manière de le voir, c'est ça, plus précisément avec Burgdorferi, infection à la fois, on l'a vu, désordre dans les macrophages, production de différentes cytokines, activation et inflammation des mastocytes, une rupture de la perméabilité de la barrière entre le cerveau et le sang. On a beaucoup parlé de la barrière entre l'intestin, de la gut barrière. Mais il y a une autre barrière qui existe dans le cerveau. Cette barrière est anatomique. Les cellules des vaisseaux endothéliales, des vaisseaux qui ravitaillent le cerveau, ont une structure qui est différente. C'est-à-dire que les cellules sont plus hautes et il y a une espèce de ciment, il y a une espèce de glu qui vient des astrocytes et qui vient faire une étanchéité. C'est pour éviter que des choses passent du sang vers le cerveau. De même, dans l'intestin, il y a cette barrière qui existe pour éviter une certaine étanchéité. Eh bien, il y a certains endroits où elle n'existe pas. C'est du côté du chiasma optique et du côté du polygone de Willis. Si vous réfléchissez à cela, ça veut dire que c'est près des structures qui gèrent les glandes endocrines. Donc, s'il y a une rupture de cette barrière, ça peut causer beaucoup de dégâts. Un exemple ici, sur le GABA, la microglie est activée par certains récepteurs et par l'intermédiaire de cytokines diverses, et c'est finalement... Il y a un désordre dans le chlore intracellulaire. Le GABA ne peut pas s'exprimer et il y a donc, il ne peut pas exercer son rôle de tranquillisant et d'apaisant central et périphérique. Vous savez que c'était une des causes de ce manque de GABA se retrouve très souvent dans ces maladies infectieuses chroniques par l'intermédiaire de l'inflammation qui est créée, et ce qui pourrait expliquer les sensations douloureuses neuromusculaires, contribuer à expliquer, peut-être pas toute l'explication, les sensations neuromusculaires périphériques qu'éprouvent les patients. Et aussi l'anxiété, puisque le GABA est un tranquillisant, fait partie dans le cocktail des neuromédiateurs des tranquillisants. Donc voilà, vu sur d'une autre façon, cette activation de la microglie, qui produit ces désordres. Ce matin, on a parlé également de ce qui pouvait se passer au niveau plus intracellulaire et du rôle de certains des CD, en particulier le CD38, qui a été impliqué. Une infection chronique à la Borrelia diminue La suppression cellulaire et donc le CD38 et les CD38 et donc le calcium intracellulaire. Et ça entraîne une conséquence sur les niveaux d'ocytocine et dans le métabolisme. Donc vous voyez qu'il y a deux éléments tranquillisants et apaisants pour la douleur qui sont diminués dans ces infections. Il peut y avoir le GABA et l'ocytocine. C'est pour ça que la mesure du CD38 va certainement, comme l'a dit Kenny de Merler, être un moyen non seulement de mesurer peut-être l'état d'infection chronique, mais également d'expliquer certains cas cliniques. Vous voyez là de manière un peu plus précise que l'inflammation a non seulement des effets sur le GABA, comme on l'a vu sur l'oxytocine, mais également par l'intermédiaire de certains
de certains enzymes, des indolamines oxydases en particulier, elle intervient sur la chaîne de fabrication de la sérotonine. Donc le tryptophane ne peut plus se transformer en sérotonine et nous avons là donc un défaut de fabrication de sérotonine qui peut expliquer aussi les côtés un petit peu dépressifs de certains patients. Donc ce qui fait, ça, on peut contribuer à expliquer, je n'ai pas dit que c'était l'explication totale, mais on voit bien qu'une inflammation par une infection chronique a des effets qui sont bien sûr la fatigue, bien sûr le métabolisme cellulaire, bien sûr le stress oxydatif, bien sûr les localisations particulières dans les articulations, la présence de cytokines et d'inflammation qui circulent et de protéines inflammatoires qui circulent un peu. Mais il y a aussi, ce que je voulais vous dire, des désordres occasionnés par l'inflammation au niveau des structures centrales et du fonctionnement des structures centrales. On a parlé également, et voilà, de cette concentration, de cet équilibre. Si vous dosez des patients avec une infection chronique, vous voyez que les pyruvates diminuent, que les lactates augmentent. C'est un signe, bien sûr, d'acidose intracellulaire, de mauvaise respiration intracellulaire. Et aussi, ça entraîne, par certains biais biochimiques, une concentration en ammoniaque intracellulaire, en urée intracellulaire. Donc, tout ceci contribue. Le désordre des neuromédiateurs, l'acidité, la concentration en ammoniaque, à un fonctionnement cérébral et à des sensations à la fois douloureuses, anxiogènes et légèrement dépressives. On a là-dedans, je n'ai pas cette explication, mais un début peut-être de contribution à l'explication de ce qui se passe. Cette inflammation chronique, on le sait maintenant, diminue également ou altère également ce qu'on appelle la voie la voie de kyrénurénine et donc la méthylation et donc une mauvaise conversion du tryptophane et de la tyrosine. Donc il y a une intolérance également et une balance, un équilibre des monoamines qui sont à créer. Alors, ces désordres des neuromédiateurs que l'on observe souvent dans les maladies chroniques infectieuses avec des manifestations neurologiques, on peut également... Alors, la dopamine peut se doser dans le sang et dans les urines. La sérotonine peut se doser dans le sang et dans les urines. Je me suis renseigné pour l'acide GABA aminobutyrique, le GABA. Je sais qu'il y a des tests qui proposent l'analyse du GABA, mais j'ai discuté avec l'École normale supérieure de chimie à Paris, avec l'École polytechnique, qui s'intéresse à ces questions, et ils m'ont dit qu'il y a un tel côté ubiquitaire du GABA, qu'il y a une telle micro-concentration, que je suis désolé, c'est eux qui le disent, donc je transcris leurs paroles, que les tests qui sont proposés actuellement sur le GABA ne sont pas vraiment tout à fait scientifiques. Je livre les choses telles qu'elles sont. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, je fais un profil des acides aminés pour essayer de découvrir quels sont les précurseurs de ces neuromédiateurs et de pouvoir avoir une idée de ce qui se passe. Et avoir une idée ici par le comportement. Et une des meilleures idées du comportement dans les neuromédiateurs, c'est le comportement alimentaire. Les gens qui sont en souffrance de dopamine vont avoir tendance à compenser. Le cerveau primitif hypothalamique a repéré dans la nourriture qu'est-ce qui contient de la dopamine. Et ce sont des gens qui aiment beaucoup manger de la viande, boire du café, boire du Coca-Cola, le Diet Coke, parce qu'en plus l'aspartame est fait avec de la phénylalanine. Et donc, c'est un précurseur de dopamine. Donc, c'est encore une meilleure drogue, le Diet Coke. Ça marche encore mieux. Et c'est très puissant. Tout le monde aime le Coca-Cola. Les Bantous, les Norvégiens, les Boliviens, les Suédois, les Français. Tout le monde aime le Coca-Cola parce que ça agit sur
sérotonine par le sucre et dopamine par coca, la cola, la coca et le café. Pas mal, hein, ça fonctionne bien. Donc, vous avez comme ça, l'explication du produit planétaire est assez intéressante quelquefois, mais c'est un autre débat. Et la sérotonine, donc, c'est pour le sucre, on le sait. Les gens qui manquent de sérotonine, les déprimés, ont une appétence pour le sucre. Pour le GABA, c'est un peu plus compliqué, mais le chocolat est un bon indicateur. Le chocolat est une des plus grandes sources de GABA qui puisse exister. Les grands amateurs de chocolat et surtout de chocolat noir... Voilà, pour être sûr qu'il y a quelque chose du côté du GABA qui se passe. Voilà, donc voyez une première chose, donc un premier modèle. Hein. Donc vous avez ici cette inflammation chronique qui est due soit à des infections, soit à des mécanismes immunoallergiques dans lesquels on pourrait mettre des tas de choses. Hein. Certains y ont même mis des vaccins, mais enfin je ne vais pas aller dans cette discussion. Produit cette inflammation chronique avec une activation des mastocytes, des cellules mastocytaires, production de cytokines, et certaines productions de cytokines, on le sait, je l'ai vu dans le schéma très, très compliqué, viennent perturber également ces neurotransporteurs, ces neurotransmetteurs, par exemple. Donc vous voyez que ça peut contribuer à expliquer ce comportement. Donc c'est compliqué, voilà, ça serait un résumé un peu plus simple comme ça, infection, inflammation chronique, immunoallergie, inflammation des mastocytaires, problèmes neurodégénératifs avec inflammation des structures et problèmes des neurotransmetteurs. Bon. Mais ça n'explique pas pourquoi ces états sont... perdure comme ça. Si on avait affaire à une infection aiguë, ça partirait, ça pourrait se régler, soit par des traitements antibiotiques, soit des choses comme ça. De plus en plus de gens ont commencé à travailler, mais qu'est-ce qui se passe dans le système immunitaire qui pourrait expliquer la persistance? Alors on a pensé, bien entendu, au fait qu'il soit anaérobie, qu'il se planque dans les tissus, qu'il s'entoure de biofilms, qu'il se mette sous forme kystique. Qu'il y a une résistance particulière avec les round bodies et tout ce que l'on peut imaginer. Très bien, ça a été démontré, mais beaucoup de bactéries sont comme ça, je dirais, c'est pas la seule. D'accord ? Donc il doit y avoir quelque chose dans ce type de bactéries et ses cousines qui sont un peu particulières. Et ce n'est pas moi qui l'ai sorti, mais j'ai commencé à regarder dans la littérature et sur... peut-être que ce serait ce système de complément. Le complément, donc, est un système, je ne sais pas si vous êtes familier, je vais faire un petit peu bref, parce que c'est un complément. C'est un système qui, d'abord, étiquette les antigènes, il les tag, il les signale. Ça, c'est les premières phases du complément. La première phase des cascades de complément, c'est une signalisation aux cellules immunocomplétantes en leur disant « celle-là, je vais très grossier, hein, excusez-moi, hein, mais celle-là, c'est du bizarre, c'est du compliqué, il va falloir s'en occuper sérieusement. » Deuxièmement, elle va permettre la fonction du complexe antigène-anticorps. C'est pour ça que ça s'appelle le complément. Et troisièmement, ça va déterminer dans les dernières phases de son processus de participation à la réponse immunitaire à ce qu'on appelle le membrane attaque système, ou complexe, membrane attaque complexe, qui sont les dernières étapes du complément, où il y a des composés qui se forment, qui vont permettre d'attaquer les membranes des bactéries. Il y a quelque chose qui se passe, certainement, là-dedans, avec les Borrelia. Alors, c'est pour ça que je l'ai appelé, c'est peut-être intéressant à considérer. Hein. Donc, vous voyez que la neuroborreliose entraîne l'activation de la première partie, donc du tagging, de l'étiquetage, et donc c'est comme si elle sursignalait la dangerosité, c'est comme si elle appelait toutes les ressources du système immunitaire à venir. Mais ça, c'est bien, mais en même temps, ça produit une surréaction. Et à la fin, donc,
elle va aussi, par contre, ne pas. Donc elle va triggering, elle va déclencher une overreaction, c'est-à-dire une surréaction de ce que Paul Sadler a dit ce matin, c'est la première action du système immunitaire inné. Donc il y a dans cette première étape une sursignalisation et une suractivation. Voilà ce que c'est que le complément. C'est un peu... On va passer, hein, d'accord. Voilà, et voici quelques articles. Hein. Il y a plusieurs, donc si ça vous intéresse, vous verrez dans la conférence, il y a plusieurs voies dans le complément. Il y a une voie classique qui arrive au niveau et toutes les voies convergent, que ce soit la voie alternée ou alternative et la voie classique, elles convergent toutes les deux vers le massif, le membrane attack complex formation. D'accord ? Voilà. Bon, voilà. Et ça va augmenter la capacité de ces bactéries, une fois taguées, et signalé par le système complémentaire de pouvoir être mieux mangé, si je peux m'exprimer ainsi, que la phagocytose se passe de manière plus active. Donc, la neuroborreliose, pourquoi elle active les toll-like récepteurs ? Là encore, on vous en a parlé ce matin. Et une partie initiale du complément active la microglie, et on a vu que le toll récepteur 2 aussi pouvait activer cette microglie. Et enfin, aussi, elle désactive la dernière partie du complément à travers une protéine qui donc stoppe le système d'attaque de membrane. Et là, il y a des articles. Si je dis ça, c'est pas parce que c'est qu'il y a des articles. Vous voyez un premier article de Judy Bikolsky qui dit dans l'Alzheimer, qui dit bien que ces observations indiquent que l'exposition à la bactérie, voilà, qu'on peut observer, et qu'il y a une déposition de cette première partie de ces plaques de ces dépôts d'amyloïdes fait par cette première partie du complément. La deuxième chose. Comment la Borrelia active le TLR2 ? Là aussi, il y a des articles qui ont été faits par Cabral et ses collaborateurs qui indiquent bien que ce toll récepteur 4 stimulé n'a pas d'effet sur le TLR2, mais qu'il y a une activation générale de ce toll récepteur 2. Donc la première partie de la réponse immunitaire est vraiment accélérée, est vraiment complètement énergisée. Et un peu énervé inutilement. Donc toujours partie, ce déclenchement et cette augmentation de la première partie, de la première phase de l'activation du complément. On le voit également dans un autre article où on voit, là c'est sur le modèle de Siri, mais que ça a été démontré par d'autres équipes également, toujours dans un modèle Alzheimer. Donc, et maintenant, on sait que cette première partie du complément active la microglie. Ça également, alors je l'ai mis un peu trop petit, mais il y a une équipe qui l'a proposé, on voit que cette partie du complément fait une propagation de l'activation de la microglie et conduit à des premières neurodégénérescences par cette activation. Nos résultats montrent que ça a été mesuré sur des réactions l'adaptation spatio-temporelle et une réponse également rétinienne suivant des blessures infligées à la rétine. Et on voit très bien que ce premier C1Q est un premier médiateur de l'activation de la microglie et peut donner cette suractivation
donne des dommages dans les structures centrales. Et maintenant, la dernière partie a été démontrée. Ah, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Il y a une désactivation, n'est-ce pas, de la dernière partie du complément, celle qui mettrait sur ce système d'attaque de la membrane. Donc vous voyez que ça a été étudié pas uniquement sur Borrelia, ça a été étudié et aussi dans des modèles animaux, et ça a été étudié dans certaines conditions de laboratoire. Donc ça prouve bien que cette hypothèse que la première partie est suractivée et que la dernière partie est désactivée existe. Et c'est peut-être tout simplement, je dirais, une des clés d'explication. Donc, c'est sûr qu'il faut continuer à chercher de ce côté-là. Mais, et que peut-être, pour ceux qui s'intéressent aux compléments du système immunitaire, il serait intéressant pour eux de commencer à voir si des formules, je ne sais pas lesquelles, pourraient aider à combattre à la fois cette suractivation de la première partie du complément et, deuxièmement, à combattre cette déactivation de la dernière partie. Ça peut expliquer d'ailleurs aussi cette chose-là pour l'inactivité de certains vaccins. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Toutes ces fonctions peuvent être impliquées. Il y a une bonne évidence, on l'a vu, qu'il y a des problèmes mitochondriaux, du stress oxydatif dans la neurodégénérescence, et on le sait dans d'autres maladies, qu'il y a une agrégation de protéines qui sont mal pliées, qui pouvait être aussi un premier point de création de ces neurodégénérescences, et enfin que cette activation de la première partie du complément qui entraîne une suractivité du système immunitaire, inné immunitaire, et une désactivation de la dernière partie qui désactive le membrane attaque complexe, donc avec augmentation du système immunitaire inné et ensuite inactivation, on a un cercle complet, et finalement les infections, en particulier intracellulaires, donnent ces infections chroniques, parce qu'elles sont capables effectivement, par leur métabolisme et par leur système de résistance particulier, de pouvoir résister plus longtemps, mais c'est aussi l'activité du complément et par sa suractivation du système immunitaire et le blocage de la dernière partie qui va entretenir le cercle. Donc, voilà ce que ça devient. Le modèle que j'avais vu tout à l'heure, il devient un peu plus complexe. On a toujours l'infection, on a toujours ce qui se passe au niveau des neuromédiateurs, qui peut expliquer, comme je vous l'avais dit, les problèmes neurologiques, les douleurs dans les muscles et dans les nerfs. Mais il y a également cette partie d'activation de la microglie et cette suractivation du système immunitaire et cette déactivation de la dernière partie du complément qui entretient le cercle. Donc voilà ce qui fait que ça devient compliqué à traiter, et que quand on a une infection chronique, eh bien, un des gros problèmes, c'est bien entendu les questions de déséquilibre, les questions de barrières digestives, parce que si l'on va donner des antibiotiques pendant longtemps, on peut s'attendre à des désordres de ce côté-là, d'une résistance aux antimicrobiens par sélection de mutants résistants ou par résistance active différente acquise avec les formes par
particulière de résistance. Et puis, tout ceci fait que ça va durer longtemps et que donc il y a un problème de compliance, c'est-à-dire d'adhésion et d'adhérence au protocole. C'est pour ça que donner des antibiotiques est une chose et il faut donner d'autres produits, essentiellement des anti-inflammatoires, non stéroïdiens bien entendu, puisque les stéroïdes vont pouvoir contribuer à diminuer l'immunité. Donc il y a toute une série de classes thérapeutiques, mais qui peuvent être également remplacées par des produits naturels que je vous ai listés ici. Je ne vais pas les dire, mais beaucoup de gens les connaissent. C'est une liste non limitative. Les laboratoires qui sont ici en proposent également de très intéressants et de beaucoup plus élaborés que ce que je pourrais faire. Pourquoi on utilise une antibiothérapie pulsée? Vous avez entendu parler. Eh bien, parce qu'on a cru repérer qu'il y avait des cycles dans la Borrelia et qu'il y a eu des études assez sérieuses qui ont été démontrées que si on expose Borrelia très longtemps au même antibiotique, le nombre de formes de résistance augmente. Et puis, enfin, je suis désolé, moi je suis un vieil infectiologue, si je peux m'exprimer ainsi. Je parle sous le contrôle de certains de mes maîtres qui sont là. Mais on nous a appris qu'il ne fallait pas utiliser toujours le même antibiotique. Enfin, je ne sais pas, ça fait partie d'un peu du béaba qu'on apprend en médecine. C'est de ne pas toujours utiliser le même antibiotique parce que ça crée des résistances et des formes de résistance et de la toxicité. Et que de temps en temps, il faut faire des fenêtres thérapeutiques. Et que ce n'est pas la seule bactérie qui est comme ça. On traite comme ça les chlamydiés, on traite comme ça l'hélicobactère pylori, on traite comme cela le mycobactérium, on traite comme cela la brucellose, on traite comme ça. Enfin, les traitements par séquence, ça existe. Donc, moi, j'ai toujours gardé dans ma pratique le traitement par séquence. Pour permettre donc une meilleure tolérance, pour pouvoir associer des traitements, pour pouvoir avoir des périodes de pause dans lesquelles on va restaurer la flore, on va drainer, on va mettre la personne au repos, et on va attendre que la population des bactéries se reconstitue. C'est un peu la stratégie de la guérilla, ça ne sert à rien de bombarder des bactéries qui sont en guérilla, elles vont se cacher. Elles ressortiront peut-être plusieurs semaines plus tard. C'est ce que je pense. Donc les laisser ressortir et j'allais dire, retaper dessus uniquement quand il y a des symptômes qui réapparaissent. Bien entendu, il faut s'occuper des équilibres, parce que je vous ai parlé des équilibres des neuromédiateurs, mais le système de résistance et d'adaptation de l'individu n'est pas uniquement les neuromédiateurs, c'est un système immuno-neuro-endocrinien. Donc il faut toujours regarder chez le patient quel est l'état du système endocrinien, en particulier celui qui est chargé de la défense, c'est-à-dire les glandes surrénales, la thyroïde et l'état de l'hypophyse et de l'hypothalamus et toutes les décompensations métaboliques que ça comporte. Donc, vous voyez un peu ce cercle. Les glandes ne sont pas isolées. Donc ça ne sert à rien de faire l'analyse de la thyroïde un jour et deux mois plus tard, regarder ce qui se passe dans la surrénale. Ce qu'il faut, c'est qu'il faire une tranche d'analyse le même jour. Le même jour, sinon on ne comprend pas ce qui se passe. Voilà, et puis il faut supporter, bien entendu, enfin secourir, bien sûr, aider la barrière intestinale, parce qu'elle participe à cette résistance, et pouvoir assurer une bonne détoxification, donc des probiotiques et tout ce qu'il faut faire. Entre les séances d'antibiotiques. Voilà, avec des drainages, avec de la phytothérapie qui marche très très bien de ce côté-là. Voilà, avant de vous remercier, je vous ai mis une petite photo qui est ici un bactériophage. Bon, le bactériophage, c'est un virus qui attaque les bactéries. Je travaille sur cette question avec l'Université de Leicester et on a travaillé sur Borrelia et les bactériophages et on a mis au point très récemment un test qui permet de détecter la présence des bactériophages. Il veut dire que si on trouve le bactériophage spécifique de Borrelia, c'est qu'il y a des Borrelia
vivante. L'avantage du bactériophage, c'est qu'il est beaucoup plus nombreux que la bactérie, il a 20 ou 30 fois plus, et il circule. C'est-à-dire qu'au lieu de la bactérie se planque dans les tissus, le bactériophage circule. Donc nous espérons beaucoup de ce test dont on va avancer les résultats à Chicago et qui sera certainement mis à disposition des patients au début de l'année prochaine. Je suis content d'y participer, d'autant plus que j'ai appris que le prix Nobel de chimie a été donné hier à des gens qui s'intéressent également aux bactériophages. Donc oui, ça fait un peu de buzz en notre faveur. Et voilà, je vous remercie. Donc j'exerce, comme je l'ai dit, à la fois à Lisbonne. Donc on n'est pas loin. Hein, je ne suis pas loin. C'est quand même 5 heures de route, mais c'est faisable. Et également à Paris. Je vous remercie de votre attention.